rentrant cette nuit, ils ont tout bouffé, y compris mon repas de midi. Merci pour le mégot, garçon. On est ramené ses sangs ce matin au moins. Ouais, j'ai entendu. Putain, je les ai tous connus à les maternelles là. Ah oui, je venais au goûter d'anniversaire. Théo, le blondinet. Loupsens. Oh putain. Bah, Loupsens, viens voir ta gueule. Océane. Viens voir ta gueule sur les photos. Hey. Tu faisais déjà trop le beau là. J'étais magnifique. Ah, j'avais Turquien. C'est Turquien, c'est de ganache. Tu étais dehors, il s'envolait. Ah oui. Moi, je comprends pas pourquoi il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu participer à la classe. Après, c'est un choix, hein. Je les critique pas, mais franchement, moi, je comprends pas. Parce que, après, moi, je suis un Saint-Séverin pur souche. Je suis là depuis que je suis né, je suis à Saint-Séverin. Donc, moi, c'est irratable pour moi, la classe. Même en étant malade, tout ce que vous voulez, je l'aurais fait quand même. Tu l'as fait une fois dans ta vie, tu t'en rappelleras toute ta vie. Mm-mm. Quand tu t'es vraiment donné à fond et que depuis tout petit, presque, t'attends de faire la classe, t'attends que ça, quoi. Que ça commence. Quand c'est fini le mardi soir, tes fêtes sont finies, t'as fini ta classe, t'es content de savoir quand même que l'année d'après, t'auras quand même un moment où tu vas te retrouver tous ensemble. Bon, le plus dur, c'est l'année encore d'après. Ouais. Tu t'es dit que là, mais tu feras plus rien. C'est fini. Et là, tu fais tant pis. Ouais. C'est un peu ça aussi, en le faisant, en faisant ça, ça fait un peu rester là. Je m'appelle Marie-Brette, bon, j'habite à Omoko, à Saint-Sauvé. Je fais juste partie de l'association des fêtes et c'est là où je suis en charge de la classe. Des tuteurs. Les parrains. Non, oui, c'est ça. On est les personnes qui encadrent en fait. Tuteur, je pense que c'est le mot. Ouais, très ouais. Je disais ça en rigolant, mais. Oui, oui, tuteur. S'il vous plaît. Lucky Luke, il n'y a pas non plus vernis accessoire, le foulard en a tout le temps. Oui, mais là, du coup, il faut que ça, c'est quand même un déguisement, faire un sale t-shirt jaune, un petit truc, un seul, il faut que ça claque de suite, tu vois. À l'œil, brise de Nice, c'est pour vous, c'est hyper facile à faire. Hyper facile à faire. Après, Au nom du conseil municipal et en représentation de l'ensemble des habitants de la ville, nous allons remettre un beau bouquet à celles qui vont honorer la ville pendant 5 jours. Je vais parler de la reine des fêtes et de demoiselles d'honneur. Ça résume beaucoup de choses parce qu'en général, quand on est de la classe, on a le bac et le vendredi, c'est la fin du bac. Et déjà, il y a cette connotation-là, il y a la connotation comme quoi les fêtes à Saint-Sauvé commencent. Et puis, c'est notre année quand on est de la classe, en fait. Une année de plus, nous allons fêter ensemble l'amour de Saint-Sauvé, l'envie d'accueillir les gens de partout dans les environs et la joie d'être ensemble. Et symboliquement, je vous remets les clés de la ville que vous me rendrez mardi soir. Les clés sont à vous. Merci au comité des fêtes, au maire, tout au long de ces préservatifs. Nous sommes tous les trois fiers de représenter la classe 2018. Nous saurons nous montrer dignes pour perpétuer la tradition qui perdure depuis toutes ces années et ainsi animer les rues de la ville pendant ces 5 jours. Et comme dit Brice, les fêtes, c'est casser du vent, faire chier les gens, ça purifie, c'est important. Bonne fête à tous!
bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je suis ravi de représenter la classe de Bryce ici ce soir. Je tenais bien évidemment à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette belle aventure. Je pense notamment aux sponsors, au comité des fêtes, plus particulièrement Laura Myriam, qui nous ont beaucoup aidé pour l'organisation de notre soirée Yellow. Monsieur le maire, Marie, Clara et Clément, parce que c'est eux qui se sont occupés de nous depuis le début, et sans eux on ne serait pas là. La classe, on y pensait déjà avant de naître, ça fait 18 ans qu'on l'attend. Et maintenant qu'on y est, il nous tient vraiment à cœur de profiter de ces moments inoubliables, tout en portant haut les couleurs de Sciences V, capitale des fériés irlandaises. Cette année sera un bon cru, j'en suis sûr. Il faut continuer à faire durer la tradition de la classe dans le temps. Vous nous soutenez depuis le début, je pense notamment à la réussite de notre soirée Yellow. Il faudra continuer à nous supporter tout au long de ces 5 jours. Donc, bonne fête de la Saint-Jean à tous. Et comme on dit ici, la este que va a comenzar. L'image de la ville pour le maire, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose qui ressort, c'est le premier point négatif qui ressort après les fêtes. Je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes. On leur dit bien et on leur redit bien pendant toutes les réunions avant les fêtes que l'objectif principal, c'est vraiment qu'ils soient présents dans les fêtes, qu'ils restent le plus soudés possible pendant les fêtes et le plus en groupe. Parce que sinon, s'ils se promènent par groupe de 2, 3, 4, par-ci, par-là, ça donne généralement pas une image géniale de la classe. Si elle est appréciée de tout le monde, si elle est cool, si elle est... Donc alors les filles, vous vous sentez comment là? Ça va. Ça va? Pas du tout stressée? Non, non, du tout. C'est pas elle qui stresse, je pense. Ouais, la reine, elle a plus de... Elle doit faire un discours. Donc... Ça? Oui, j'ai un discours à faire, mais je l'ai pas fait encore. Du coup, on va le faire avec le président, là, tout à l'heure, chez la fille qui nous héberge. Après, c'est pas en patois que vous le faites. Bah, apparemment, je pensais que c'était que le président qui disait quelques phrases en patois, mais vraiment, moi aussi. Mais oui, enfin, moi, j'ai toujours vu ça, donc... Non, mais même, par exemple, Floriane, ma filleule, il n'y a pas longtemps qu'elle a fait la classe, il y a quoi, il y a 3 ans. Elle a fait en patois. Corinne Gardage aussi.
En patois. Qui viennent de D'Algérie. Donc t'as obligé à faire un patois. Oui. On dit la Cap du Reine. La Cap du Reine, c'est-à-dire la tête du royaume. D'accord. Et déjà, ce que je connais même pas, ils me disent, mais tu étais la Cap du Reine, toi, à l'époque, me rappelle de toi. Ah bon? Eh bien, pas moi. Une petite reine. Oh là là. Tout le monde venait nous discuter, s'embrasser, c'est... Donc après, pour les spectacles, tout ça, ben, il a fallu aller partout. On était habillés en autrefois, là, avec ses robes rayures. Mais oui, parce que alors là, hein. Et qui d'autre était élu, du coup, avec vous? Eh bien, c'était Marie-Josée Moy et Jocelyne Moulaire. Il y en avait une autre, hein. Durieux, Nicole Durieux. Voilà, vas-y, sors. Et oui, pourquoi on était trois en plus, oui, il était. Ah oui, effectivement. Oh là là. Et on allait à toutes les occasions. Il y avait la corrida, il y avait la course des cuisinières, il y avait. Et bien, comme maintenant, on était à l'honneur avec le maire et la municipalité. Voilà, habillés en robe d'autrefois. On avait le foulard, on avait les jupes noires avec le tablier. On avait plus de 18 ans, nous. Maintenant, c'est 18 ans. Ouais. Nous, on avait 20 ans, nous, quand on y allait. D'accord. La c'était, classe. C'était juste avant de partir, là, oui. Je crois que c'était que des hommes, oui. On se retrouvait ensemble, bien sûr, mais on n'était pas... Ouais. C'était pas structuré comme à l'heure actuelle, à l'époque où il y avait un chef. Ouais. Comme ça, qui avait plus d'ascendant. Le président, il est souvent connu, ouais, de la plupart. Ou s'il n'est pas connu de la plupart, il est assez fort de caractère pour se faire connaître plus vite. Les garçons, vous sortez du coup, et les filles, vous restez pour régir les... Et toute la classe doit élire un président, un trésorier, un secrétaire. C'est un peu formé comme une association, parce qu'on élit en fait trois membres du bureau, c'est des garçons. Pas trésorier, le sens en tout cas. Représentatif au mieux des filles et du bureau. Il faut vraiment que ça se ressente. Marie. Attendez, vous êtes et se débrouiller après, puisqu'on parlait avec certains parents, c'est que
on voyait les parents au début des fêtes qui les lâchaient un peu, qui les lâchaient, mais ils dormaient tous au même endroit, par exemple, au camping. Chez Yvan, hein. Et qui disaient, bon, mais on va les laisser, on leur fait un petit bisou, mais l'année prochaine, il faudra faire pareil, ils se débrouillent tout seuls à l'université. Enfin, ça marque une première étape, en fait. Mm. Donc ça se fait l'année des 18 ans, mais ça porte l'année des 20 ans. Coucou, aujourd'hui, le journal de la classe, on est ensemble, tous ensemble, on va profiter de notre dernière année, parce que la classe, c'est la classe. Parce qu'on n'était pas au collège. Moi, c'est ça qui m'avait. Ouais, on n'était pas au collège avec eux à Saint-Sauvé. Voilà. Donc, on était à Saint-Pierre-du-Mont. On ne connaissait pas du tout les gens de Saint-Sauvé. Donc, on nous demandait de faire un truc. Heureusement, au lycée, moi, j'ai été amie avec certaines Saint-Sauvé qui m'ont permis de faire rentrer dans leur groupe un peu. Mais c'est vrai que les gens qui ne sont pas au lycée ou au collège. Ouais, c'est particulier pour. Enfin, c'est compliqué de s'intégrer à un groupe qui est déjà auparavant un peu déjà fait, parce qu'ils ont déjà fait l'école primaire, le collège ensemble. Donc, même s'ils n'étaient pas meilleurs amis, ils se côtoyaient. La classe, c'est bien, c'est intéressant, c'est bien, mais quand on est en groupe avec ses copains, quoi. Et certains, ils étaient un peu seuls, donc. Ouais, ils ont certains préféré ne pas la faire. Johannes Saïda Fébar, Olivier Loubéry. Le 30 avril, on a voulu remettre en place le bal des fêtes, le bal de la classe, pardon. Donc ça, apparemment, ça se faisait avant. Et du coup, on a loué le cloître à Saint-Sevé. Et on va faire une soirée ouverte à tous ceux qui voudront venir. Et bah, du coup, à vous aussi. Donc il faudra que tout le monde soit présent, du moins le plus possible. C'est ces trois personnes-là qui vont avoir la charge de, bah, de tout gérer. C'est que s'il y a une question, on va forcément se tourner vers un des trois. Que s'il y a des sous qui rentrent, ça va être vers un des trois. Que les relations qui vont passer, que ce soit avec nous, que ce soit avec le comité des fêtes, que ce soit avec la mairie, que ce soit avec des personnes extérieures, ça va forcément passer par eux. N'importe quelle question, ça passe par eux. Donc c'est une charge supplémentaire, sachant que c'est l'année du bac. C'est quand même un rôle qui n'est pas facile à porter. Du bureau ni des reines à être à la messe et là et là ça fait mal du programme, c'est repas avec les anciens et les jeunes. Ils ont 4 jours de fête dans les papates
Et les anciens, ils les attaquent à l'armagnac à la fin. Et ils vont finir tout rôtis pour aller voir les vachettes. Et c'est souvent là, en fait, qu'on voit si la classe a été bonne ou pas. C'est que les éloges que font les anciens se répercutent genre, sur la durée. Et on voit genre, que cette année, les éloges ont été très bonnes. On nous dit, ouais, la classe, ils ont été propres, ils ont été bien. Et après, si la classe de l'année a... Enfin, il y a eu des histoires, on l'a pas vu, etc. Mais de suite, c'est la classe, c'est une mauvaise idée. Il y a des personnes qui disent qu'il faut arrêter. Ça n'a plus à rien. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est super important pour que ça continue, que la classe soit toujours, toujours une super image. Parce que sinon, c'est, ça peut disparaître. Dès l'instant où on avait la classe, donc l'année de nos 18 ans, dès cet instant-là, tous les ans après, il y a généralement un repas de classe qui est fait. Mais ça dure jusqu'à la mort presque. Bon, on va juste refaire un point. Tout le monde est d'accord sur Brice de Nice, oui. Ceux qui voulaient footix les fois d'avance, ça dérange. Non. Ça dérange personne de changer pour Brice de Nice. Ah, c'est bon. On se tient en plomb. Mais non, mais après, je pense que c'est le prénom. Ils ont pour objectif, à partir de la première réunion, de trouver des sponsors. L'objectif, c'est de financer entièrement le costume, les foulards. Allez, on se chauffe, allez prenez les œufs. C'est la guerre entre les deux classes. La guerre entre la classe de cette année et la classe d'avant. Il y avait Superman il y a 2 ans. Cette année... Les mignons, cette année. Les mignons, on a fait des mignons. Quelqu'un a des yeux pour moi? On y va? Attendez, mais ils sont arrivés un par un. Du coup, les premiers, ils ont pris, mais après, pas trop. Il n'y a pas eu vraiment de bataille. Il y en a aucun, vous n'avez pas de oh là 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 ah, ben, ils... Non, mais attendez, on va prendre. Promis. Je vais te dire bonjour. Ah, monsieur. Ah, je me sens seul, c'est un de ces fous. Mais c'était prévu qu'ils viennent. Oui, mais c'était prévu, non. Oh, mais... C'est elle qui s'est loupée, hein. Oui. C'est elle qui s'est loupée. Remonte à quelques années derrière, il y a très très longtemps. En fait, la course des cuisinières, elle s'appelait comme ça parce que toutes les femmes de la ville, généralement pour toutes les fêtes, elles étaient toujours obligées, occupées à faire la cuisine pour tous les repas qui se déroulaient tout le temps pendant les fêtes. Et à la fin, c'était terminé le mardi soir, plus de repas, tout était terminé, les cuisinières pouvaient... enfin souffler, et elles allaient toutes à la course des cuisinières assister à cette course, donc où il y a des vaches qui rentrent dans l'arène, ça se déroule aux arènes, et avec lesquelles la classe
joue pendant deux heures et demie contre la classe de l'année précédente. Quelques années que j'ai proposé de les faire venir ici la semaine avant pour qu'ils viennent s'entraîner pour avoir contact avec le H. Oui. Et ça, ils ont trouvé que c'était pas mal parce que plutôt qu'arriver innocemment et je me charge de leur expliquer aussi en même temps quand ils sont ici que si après trois jours de fête ils ont tendance à avoir touché un petit peu au carafon, il faut penser que la vache, elle n'a pas fait la fête. Elle, elle n'a pas bu. Elle est saine d'esprit et de corps. Mmh. Et de cornes aussi. Donc, ça les refroidit un peu. Ils sont un peu plus réalistes. Et je trouve que ça se passe de mieux en mieux parce qu'ils ont quelques notions. Quelques notions parce que quand ils sont 40, 50, il faut les gérer. Mmh. Alors, demoiselle Donna. Là, j'ai peur. Alors, ah, bon, regarde, elle a l'air inquiète quand même. Lève les bras, va, lève les bras. Et t'as vendu une manche de pantalon là ou quoi? Oui, il vaut mieux sauver quelque chose. Allez, viens, on t'a expliqué qu'il fallait tourner vers là-bas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Waouh! En plus, elle boit 5 euros, madame Brette Nicole, pour Quentin Doga, 10 euros. 10, 20, 30, 30, 50, 55 euros pour les quatre. Quand même, où il est ce héros? Il est où? Alors, t'as pas intérêt de te louper. Enfin, je veux pas te mettre la pression. Généralement, c'est nous, organisateur de la classe, qui tenons la caisse des primes à côté du speaker. Et les primes tout au long de la course, elles s'accumulent. Et ça fait généralement un bon fond de caisse. On arrive facilement au plus de 1000 euros. C'est généralement, toujours, j'ai jamais vu autrement, c'est généralement la classe qui récupère tout. Il y a tout qui est regroupé et c'est la classe qui récupère tout l'argent. Comme ça leur permet de leur payer le repas qui est juste après, à tous. Ah, ah. Le président qui veut clôturer les débats, c'est normal. C'est 5 euros, pareil, mais on va les mettre à la classe. Voilà. Le président, tout le monde tape en les mains, car la vache va demain. S'il nous reste beaucoup d'argent, on va voir pour faire une sortie. Par exemple, continuer la classe à Pampelune ou quelque chose comme ça. Garder la cagnotte pour payer les coûts là-bas, tout ça. Soit on va garder pour faire après les banquets des 20 ans, 30 ans, tout ça. On part en 40 ans et ils ont fait le banquet des 20, 30, 40 et ils se retrouvent à chaque fois tous. C'est sympa. Parce que ça rappelle pas. Ils se sont quittés à l'âge de 18 ans, alors ils se retrouvent à 40 ans ou à 30 ans. C'est super sympa. C'est parti. Pour l'instant, c'est parfait. Franchement, je suis content de tout le monde.
On est partout là où on doit être, on y est tous. Les deux cavalcades, on y était tous présents, même celle du dimanche matin, on n'était pas grand monde. Joris. On était tous, franchement, on est une bonne classe, je pense. Ça fait plaisir. C'est dans la caméra. C'est moi le suppléant président. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité des fêtes de CSEV. Sans lui, rien n'aurait été possible. Voilà. Allez, et maintenant, sangria. Ils ont dit, c'est génial. Joris, t'es pas trop triste de rendre les clés ? Tranquille. Mais tu pourras. Heureusement que son suppléant est là. Aucun stress. Elle était longue la fusille là. Écoute-moi. Aucun stress. Écoute-moi. Attends, je suis interviewé. Zéro stress. Je connais tout le monde. J'ai zéro stress. En plus, j'ai préparé mon discours. Il semblerait qu'il soit en capacité de dire une phrase, me prévient son attaché de presse. Diffamation à la classe. Vous avez été digne de vos 18 ans, vous avez été digne de Saint-Sevé, vous avez été digne de cette jeunesse éternelle. Maintenant que je récupère les clés, il vous reste une chose à faire, une bringue d'enfer pour la clôture. Alors, on avait fait une petite tournée des clés, mais bon, on était rapide, dans le cours du cloître et j'avais redonné des clés à M. Dalle. Oui, vraiment, ça avait duré deux minutes top chrono. Ouais, voilà. Je pense qu'il y avait quasiment eu que des retours positifs. Ils ont été top. Ils ont été vraiment super. Ça faisait longtemps, je pense qu'il n'y avait pas eu une classe top comme ça. Après la nôtre. Ouais.